Molt bé, bona tarda. Em presento, sóc Núria García, de l'ICE de la URB de Tarragona i us presento a l'Helena de la Cruz Vergari, que és una companya de la universitat a la que estimem molt. Helena de la Cruz va estudiar Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona, on va obtenir el grau de màster amb un estudi literari comparatiu entre l'Ai de Narcisi i el L'Ai de l'Ombra de Jean Renard, dirigit per Anna Maria Mussons. Disculpa, Helena, si no pronuncio bé, però el meu francès és com és. El 2016 va obtenir el grau de doctora amb una edició crítica de la traducció francesa medieval de Terra Santa de l'Epitome Rei Militaris de Vegesi a la Universitat de Barcelona i a la Universitat degli Studi di Verona. Des del 2004 és professora del Departament de Filologies Romàniques de la Universitat Rovira i Virgili, on és cap de l'àrea de la filologia francesa. Ha impartit assignatures de didàctica, llengua francesa, lingüística romànica i literatura francesa. Entre d'altres tasques, s'ha encarregat d'organitzar tot el tema de les jornades que hem fet a Tarragona, del Batxibac, i també, a més, ha fet articles i comunicacions sobre manuscrits, edicions didàctica, lingüística i literatura. Actualment és directora de l'editorial Obrador Edendum, que publica textos sobre ciència i humanisme. Ha traduït i editat obres de Vicenç Ferrer, de Víctor Hugo i Jad Hatem, i ha publicat l'obra poètica inèdita d'Antoni Rovira i Virgili. Jo crec que podríem dir moltíssimes coses més, sobretot agrair sempre, sempre la disponibilitat que té l'Helena per col·laborar amb l'ICE de la Rovira i Virgili i per ajudar-nos en la formació permanent del professorat. Moltes gràcies, Helena. Gràcies, Núria. Gràcies, Helena, també. Bona tarda a tothom. Soc la Carme Tinoco, de Llengües Estrangeres del Departament d'Educació aquí a Tarragona. I podria afegir moltes coses a tota aquesta part que ha dit acadèmica la Núria, però jo, que ja tinc una edat com alguns de vosaltres, pocs, vaig conèixer l'Helena fa molts anys, quan als territoris, amb Girona, Lleida, et recordaràs, Miquel Àngel, fèiem les jornades de llengües estrangeres. Llavors, l'Helena sempre era una persona que no fallava mai, vull dir que ja des de fa temps. I jo el que sí que m'agradaria destacar de l'Helena és la seva sensibilitat literària. Transmet una sensibilitat per la llengua, per la literatura, per una manera de gaudir de la feina reposada, transmet una pau, una quietud, un gaudi per la feina que penso que ja ens vindria bé a molts de nosaltres, no?, amb aquest estrès que tenim. Per tant, jo, de veritat, Helena, sempre t'agraeixo totes les col·laboracions que tens amb els docents i aquesta part que aportes diferent de la docència, des de la part universitària, des d'aquesta inquietud teva tan literària i tan dolça i tan diferent del dia a dia de les tres de les aules. Per tant, crec que és un complement que ens va molt bé i que el necessitem. Per tant, molt agraïda sempre de les teves intervencions, col·laboracions i d'aquesta part que ens aportes als docents. Pel batxibac i per la llengua francesa, tu que ets una apassionada de les llengües, del francès, de l'italià, perquè Vergari és de mare italiana, i aquesta passió per les llengües se transmet. Jo sempre he dit que un docent, un professor, transmet el que és. I tu, Helena, transmet aquesta sensibilitat, aquest amor per les llengües, per la literatura, i crec que és una part que, com aquesta part humanística que ens convé a tothom. Per tant, merci beaucoup, Helena, i per molts anys que ens puguis acompanyar i que ens puguis il·luminar. D'acord? Per tant, tot l'escenari és teu. Moltíssimes gràcies. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup Nouria et Carmen de votre présentation qui, bon, le genre l'exige, elle est toujours gentille, n'est-ce pas?
Moi, je vais essayer de me concentrer donc sur la transmission des contenus que je vous ai promis à partir du titre. Vous les voyez sur l'écran, je pense. Alors, si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord ou si je vais trop vite, parce que finalement, on a tous le stress des cours et des exposés à l'écran, je vous prie de m'arrêter. Et on va essayer de se comprendre, parce que je vois qu'on est nombreux. Donc, je vous donne, je vous remercie de votre présence déjà et je vous donne la bienvenue. Alors, je vous avais promis de faire une étude comparative entre ces deux textes, d'un côté « La vie devant soi » de Romain Gary et de l'autre « Musa Ibrahim et les fleurs du Coran ». Je pense que vous connaissez très bien et dont je vais me servir de vos connaissances afin d'essayer de vous donner des pistes interprétatives, mais surtout aussi un itinéraire mémotechnique. Donc, je m'excuse tout d'abord parce que je vais lire, je vais essayer d'aller doucement et de pouvoir suivre le PowerPoint, donc la présentation. Tout d'abord, je vais donner quelques contenus théoriques. Vous allez m'excuser, mais je pense qu'il est important de savoir quelles sont les sources interprétatives qui ont guidé finalement mon travail, hein, celui que je vous présente. J'espère pouvoir vous donner des pistes, je vous disais tout à l'heure, parce que je sais que vous avez déjà eu à la UB, je pense, un cours introductif où il a été question de la comparaison entre ces deux œuvres. Je pense que ce sont deux œuvres qui, tout naturellement, offrent un discours comparatif. Et nous allons voir pourquoi. Alors, donc la méthode comparative analyse, comme son nom l'indique, une comparaison d'éléments au sein d'un corpus. Notre corpus est constitué des deux textes proposés au programme littéraire de Bachibac, à savoir, vous connaissez La vie devant soi de Romain Gary et Monsieur Ibrahim et le fleur du Coran d'Éric Emmanuel Schmitt. Ce corpus a été choisi parce que notre but est celui d'offrir des pistes interprétatives et mémotechniques utiles à la préparation de l'épreuve. Donc à la lecture, mais aussi, je pense, à la préparation de l'épreuve qui est toujours donc un souci pour nous. Dans l'établissement des éléments de l'analyse comparative que je vais vous présenter, découlent des thèmes majeurs de l'analyse littéraire du XXe siècle, qui notamment à partir des textes littéraires et métalittéraires français ou en français, définit la tâche et les instruments de la théorie littéraire. Vous savez que la traduction française a une longue et a beaucoup de textes qui parlent sur la littérature. Ce sont des textes métalittéraires. Donc, j'essaie ici de justifier les choix des éléments que je vais vous présenter. Donc, il suffit d'examiner la table de matière des ouvrages actuels de littérature pour voir quels sont ces thèmes, les thèmes que nous allons analyser. Le genre ou la typologie textuelle, ils sont récurrents, autant que l'œuvre considérée comme production humaine historique. Et donc, relié avec ce que nous pouvons nommer aujourd'hui la réalité. C'est un mot qui a aussi une longue tradition sémantique, donc, qui a changé de sens au cours de l'histoire. Cela, donc, cette analyse est souvent associée, d'une part, à l'étude. Alors, je vais essayer de passer la diapo, excusez-moi. D'un côté, non ? On a l'étude formelle de la langue et de la rhétorique, si vous voulez, du style. Et de l'autre côté, on va voir aussi des éléments purement, si vous voulez, interprétatifs qui sont donnés par l'histoire de la réception, la psychanalyse et la philosophie.
On pense par exemple à l'esthétique, à la sémiotique, à la mythocritique ou au déconstructionnisme, même à l'existentialisme entre autres, qui ont apporté des considérations et des instruments qui nous semblent aujourd'hui, telle a été notre formation, inhérents à toute étude interprétative du texte littéraire. C'est-à-dire, je vais analyser des éléments formels, on va les voir, et des éléments interprétatifs. Alors, les écrivains contemporains, vu qu'il y a de la littérature métalittéraire, si vous voulez, sont donc imprégnés de ces textes métalittéraires, c'est-à-dire Gary et Schmitt les ont lus, et qui sont souvent écrits par des auteurs qui sont cités dans l'analyse ou même dans les textes hein, de Gary et de Schmitt. Par exemple, Aristote, Platon, Hugo, Jacobson, Lévi-Strauss, Bartre, Proust, Gide, Breton et tant d'autres. Ici, je vous conseille vivement l'ouvrage de Nadine Tourcel et Jacques Bassevière intitulé « Littérature, 150 textes théoriques et critiques », donc qui étudie la littérature à partir des textes métalittéraires des grands auteurs. Ce livre, il a été édité à Paris par Armand Collin et il accumule depuis sa parution en 2015 plus de 4 éditions. Donc, vous voyez que c'est un livre qui est lu et par, je pense, donc pour pouvoir faire des études littéraires. Avant de passer à l'analyse, nous devons constater que Schmitt, l'auteur donc de Monsieur Ibrahim et le Fleur du Coran, se méfierait d'une méthode comparative. Dans le conte, nous pouvons le lire, le narrateur déclare. C'est Momo qui parle. Je m'étais mis à faire un truc épouvantable et vertigineux. Des comparaisons. C'est peut-être pour éviter sans doute l'apparition d'un frère aîné, d'un popol, qui pourrait être considéré l'antithèse des manulités, donc l'antithèse de la nullité du texte de Schmitt. Donc, notre méthode comparative est justifiée, non pas seulement par le but, si vous voulez, donc la préparation à l'épreuve, mais par le rapport intertextuel qui était déjà signalé par la critique. Je vous passerai tout à l'heure la bibliographie, je parle de Chier et de Schilliday, qui a publié tout récemment, en 2021, une étude comparative sur ces deux textes. La critique littéraire a constaté que le roman, et vous devez le savoir sans doute, La vie devant soi des Gary pourrait être considéré du point de vue de l'intertextualité, c'est-à-dire là on est dans les théories de Genette, considéré l'hypotexte du récit de Schmitt, c'est-à-dire Schmitt imite ou transforme en texte celui des Gary pour faire naître une nouvelle œuvre, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Voilà. Alors, je vais commencer par vous lire des extraits de cette bibliographie que j'ai consultée, que je vous passerai dans Chier et Schilliday, et qui parle de ce rapport de façon résumée. Alors, le genre-héros de Monsieur Ibrahim et le Fleur du Coran doit rappeler à bien des lecteurs Le moment de la vie devant soi, roman publié par Romain Gary en 1975. Les parallèles entre ces deux textes sont certes frappants. Dans chaque cas, il y a la perception enfantine du jeune narrateur qui génère du comique dans un récit plutôt tragique. Ensuite, les deux moments vivent entourés de prostituées dans un quartier populaire. Le Momo de Schmitt, juif d'origine, s'est fait adopter par un soufi, alors que celui des Gary, musulman, est élevé par une juive survivante de l'Holocauste, comme le père du premier Momo. Les deux adolescents vouent un amour absolu à leurs parents adoptifs. Ça, c'est un trait commun.
Monsieur Ibrahim partage d'ailleurs une certaine ressemblance avec Monsieur Amil, marchand de tapis ambulant réputé pour sa sagesse, qui apprend un moment à écrire l'arabe et à lire le Coran dans la vie devant soi. Dans le roman de Gary, Momo reçoit la visite de son père, qui a tué sa femme quand l'enfant avait 3 ans, et qui est resté enfermé dans un asile psychiatrique pendant les 11 années que son fils a passé chez Madame Rosa. Celui-ci lui joue un mauvais tour, lui présentant, vous le savez, le petit Moïse comme son fils, sous prétexte qu'elle a confondu Moïse avec Mohamed, et qu'elle a élevé chaque enfant dans la religion de l'autre. Dans le récit de Schmitt, Momo joue le même rôle, joue le même tour à sa mère, se présentant comme Momo au lieu de Moïse. Donc on voit là des inversions. L'auteur continue. Malgré ces ressemblances, la vision du monde qui transparaît dans les deux textes est diamétralement opposée, considère l'auteur. Madame Rosa et Monsieur Amil sombrent dans l'infirmité et la sénilité, sans avoir vraiment préparé leur protégé à la vie devant lui. Monsieur Ibrahim, en revanche, meurt en pleine possession de ses facultés et avant de mourir, il a tout appris à son fils, l'amour et le pardon, la simplicité, le respect des autres, la joie de vivre et la beauté du monde. L'humanisme dans l'œuvre de Schmitt est fortement imprégné, la concision de son style ainsi que la présence de formules faciles à retenir sont autant de traits qui distinguent M. Ibrahim et le fleur du Coran de la vie devant soi et qui le rapprochent davantage en texte classique comme le Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc, vous voyez que la méthode comparative, il s'agit en fait de chercher les points communs et de là, on va voir aussi les divergences pour pouvoir caractériser les deux textes. Mais ils sont toujours donc reliés. De l'autre côté, Shilly Day, donc l'autre auteur qui a récemment publié dans cette étude comparative, a décelé des effets spéculaires. Donc là, on va être dans l'espace de la réflexion, du miroir, de deux œuvres qui se regardent. Et elle dit, à travers un jeu de reflets intertextuels et d'inversion, d'un monsieur Ibrahim et le fleur du Coran, Erich Manuel Schmitt rend hommage à Romain Gary et à la vie devant soi. Alors, dans l'article que vous pourrez consulter, si vous ne le connaissez pas, je vous donnerai les liens, c'est un texte en accès ouvert, elle explore l'héritage littéraire qui lie ces deux romans, donc un héritage littéraire, et les divergences esthétiques qui les différencient et créent des mondes inversés. C'est-à-dire, Shilly Day, elle va parcourir les deux textes comme étant des mondes inversés. Elle va s'intéresser à l'inversion, et non pas tant au parallélisme, si vous voulez. Et je continue à lire Shilly Day. Chez Gary, le jeune orphelin Mohamed devient Moïse. Chez Smith, Moïse devient Mohamed. Mais chez les deux écrivains, l'orphelin demeure toujours au centre, refuse son parent biologique et adopte un parent qui partage ses valeurs humanistes. Alors que la vie devant soi met en lumière la complexité de la mémoire, l'indicibilité du traumatisme et la richesse de la subtilité langagière, M. Ibrahim et le fleur du Coran soulignent la force libératrice de l'oubli, la possibilité de la guérison et la joie de la simplicité. Au fond, ces deux œuvres représentent un plaidoyer de l'amour et de l'empathie qui réunissent les êtres séparés par la race et par la religion. Donc, je vous disais que j'allais commencer par la théorie,
Hein, donc, je vous ai présenté la méthode, le corpus, la justification, le but. Je viens de vous montrer ici ce que disent les auteurs qui ont fait des études comparatives entre ces deux œuvres. Vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup. Hein, ce ne sont pas les seuls, mais disons que c'est des études qui portent précisément sur la comparaison. Bon, ben, très bien, vous aurez le temps de relire ces deux textes et de souligner et de séparer les éléments qui sont présentés comme étant parallèles ou invertis. Nous allons voir ici, plus précisément, ces éléments. Nous allons les isoler et nous allons les présenter de plus près. Alors, je vous passe ici. Étant donné que la vie de Van Zwijt est un hypotexte du conte de Schmitt, les éléments qu'on va analyser ensemble. Bon, d'un côté, il y a l'idée dominante, la fonction, de l'autre côté, les motifs du récit, vous les voyez, hein, le problème et la solution, donc la problématique et la solution apportées par les auteurs. Ensuite, on va voir le narrateur, le style et le ton, qui sont très importants du point de vue formel et qui constituent aussi la sémantique des textes. Et vous voyez en gris ce que je pense que je n'aurai pas le temps de développer, mais vous voyez que la liste, elle peut donc être élargie. En ce qui concerne les inversions, parce que là, je vous ai présenté les éléments parallèles, nous présentons les éléments confrontés, les éléments qui sont invertis, qui sont divergents, confrontés. Dans la première colonne, ou si vous voulez, en premier lieu, nous avons toujours le texte le plus ancien, donc le texte de Gary, le roman, opposé au conte. Donc, on va voir le genre, les textes à partir du genre. Ensuite, ça, je pense que dans les textes que j'ai lus, on voit l'inversion de deux personnages que vous connaissez sans doute, et les adopteurs, c'est-à-dire les adultes qui adoptent l'enfant. D'un côté, c'est une femme, Madame Rosa, juive, alors que de l'autre côté, confrontée, on a Monsieur Ibrahim qui est arabe, ou plutôt turc, donc perse, mais qui est musulman. Et il pourrait y avoir aussi les parents qui interviennent, c'est-à-dire qui apparaissent dans le récit, vous le connaissez, d'un côté. Donc, dans le roman de Gary, c'est le père qui vient se présenter. Et puis, la mère. Donc, on sait très bien que le Momo de Gary, il va refuser son père. Et on verra bien pourquoi, notamment à partir de l'étude de l'idée dominante. Voilà. Donc, on a ici, en petite capitale, les éléments. D'un côté, donc, l'idée dominante. De l'autre côté, la fonction. Alors, excusez-moi, je vais voir si vous me suivez. Oui, je suis en ligne. Vous arrivez à me suivre? Bon, très bien. Oui, oui. Merci. Alors, l'idée dominante, vous savez très bien, c'est l'amour. Vous voyez qu'à chaque fois que je cite, je donne la référence de la page. Donc la vie, c'est la vie de Van Zwijt, et monsieur, c'est monsieur Ibrahim, et les éditions, c'est-à-dire les éditions avec lesquelles j'ai travaillé, donc qui correspondent aux pages citées. Et d'un côté, celle de Folio, La vie de Van Zwijt,
et de l'autre côté, une édition pour le collège de Magnard. D'accord ? Alors, donc, tout d'abord, je vous présente l'idée dominante, c'est l'amour. Et on va voir que même si l'idée dominante, elle est toujours la même, l'amour, on pourrait nuancer, c'est un amour ce n'est pas l'amour passionnel, mais c'est plutôt, on va parler plutôt de la tendresse. Donc, d'un côté, le conte, pour Schmitt, le sens dominant est clair. C'est l'amour, si vous voulez, mais plutôt dans le sens de la convivialité entre les cultures. Et la fin du conte en dit assez. Vous ne l'avez pas sur l'écran, mais je pense que peut-être vous le connaissez par cœur. Moïse, le juif, devient Mohamed l'épicier, l'arabe du coin. Et le narrateur glose cette étiquette issue de Monsieur Ibrahim, arabe, ça veut dire ouvert la nuit et le dimanche dans l'épicerie. Donc, la glose est citée à la page 14, 20 et 66. C'est-à-dire, c'est une phrase capitale qui se répète. Et donc, qui situe le sémantisme du mot arabe dans le contexte socioculturel, donc dans un quartier populaire. Donc, c'est la convivialité entre les cultures. Ça ressort de la fin du roman. Ah non, allons maintenant analyser la fin, de la fin du conte. Allons maintenant analyser la fin du roman. Et là, vous avez les dialogues que vous avez sur l'écran. Il y a une question qui se répète et qui traverse tout le roman. C'est cette question capitale pour Momo. C'est, on la trouve au début du roman, la page 11-12. C'est Momo qui parle et qui demande « Monsieur Amil, est-ce qu'on peut vivre sans amour ?» Alors, Monsieur Amil, au début du roman, il dit oui et il baisse la tête comme s'il avait honte. Mais ensuite, plus tard, presque à la fin du récit, on retrouve la même question. Monsieur Amil, est-ce qu'on peut vivre sans aimer quelqu'un ? Donc, il s'agit toujours de l'amour, mais on peut voir qu'il y a une différence entre on peut vivre sans amour ou on peut vivre sans aimer quelqu'un. Vous savez bien que Monsieur Amil, il perd la mémoire et il répond « J'aime beaucoup le couscous, mon petit Victor, mais pas tous les jours. » Et Momo réplique « Vous ne m'avez pas entendu, mais c'est Amil. Mouva m'a dit quand j'étais petite qu'on ne peut pas vivre sans amour. » Et ensuite, plus tard, presque à la fin du roman, non, là c'est la phrase finale, excuse-moi, du roman, le narrateur personnage, c'est-à-dire Momo, déclare « Je me faisais du mauvais sang car personne n'en voudrait, on parle d'Arthur, le parapluie. » À cause de sa valeur sentimentale, il faut aimer. Donc l'impératif de la fin du roman présente la morale. C'est vrai que c'est un impératif qui a un sens spécifique dans la phrase, mais de toute façon, on voit bien qu'il s'agit de la morale de l'histoire. Est-ce qu'on peut vivre sans amour ? Non, il faut aimer. C'est ainsi que nous pouvons considérer la fonction didactique du texte. Et en effet, ils ont été décrits, souvent dans les textes qui parlent sur les deux textes, comme des récits philosophiques, des récits d'apprentissage ou des récits initiatiques. Donc, qui ont une portée, qui ont un rapport avec la sagesse.
Donc, là, on voit la fonction de texte, c'est une fonction didactique. C'est l'idée dominante, c'est l'amour, la tendresse. La fonction qui coïncide, donc, c'est une fonction didactique. Mais nous l'avons vu, pour les enfants, il ne s'agit pas d'un amour passionnel. Il faut aimer, mais qu'est-ce que ça veut dire aimer pour un enfant? Ben, je vous l'avais dit, ce n'est pas l'amour passionnel, tout au contraire. Le père de Momo dit « tuer la femme de l'enfant » parce qu'il l'aimait à la folie. Et je cite littéralement. Il tue quelqu'un parce qu'il l'aime à la folie. Non, non, non. Ici, à la fin du roman, on parle de la tendresse d'un enfant qui veut récupérer son parapluie. On le voit bien aussi dans les dernières phrases des textes, du texte du conte. Arabe, ça veut dire « ouvert la nuit et le dimanche dans l'épicerie ». Vous savez bien, on l'a vu, que c'est un clin d'œil à son père adoptif. Il s'approprie, si vous voulez, un peu de l'identité de ce père adoptif. Mais à la page 171, Gary énonce avec force, lorsque Momo évoque l'amour, à Madame Rosa. Donc, on parle toujours de l'amour de Momo, de l'enfant, à Madame Rosa. Je pensais à tout cela en regardant Madame Rosa pendant que sa tête était en vadrouille. C'est ce qu'on appelle la sénilité débile accélérée avec des allers et retours d'abord et puis à titre définitif. On appelle ça... Gaga, pour plus de simplicité, ça vient du mot gâté, gâtisme, qui est médical. Je lui caressais la main pour l'encourager à revenir et jamais je ne l'ai plus aimée parce qu'elle était moche et vieille. Je vous ai marqué en bleu des aspects et des éléments qui me semblent déterminants pour le texte, pour le roman. D'un côté, il y a l'étude étymologique de l'enfant, dans ce cas autour du mot gâteux, gâtisme, gaga. Donc, il y a comme base le verbe gâter, si vous voulez. Donc, il y a un déplacement sémantique qui se rapproche de la tendresse. Et on le voit bien dans la phrase qui clôt donc le fragment. J'ai lui caressé la main pour l'encourager à revenir. La main, c'est un élément symbolique qui, dans le roman de Gary, sert toujours à exprimer l'amour. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un rapprochement entre l'enfant et un être qu'il aime, vous trouverez toujours cette main, souvent aussi l'épaule, mais c'est surtout la main. Et dans le conte de Schmitt, l'amant apparaît aussi lorsque Momo dit voir une main qui apparaît entre une fente et qui, donc, c'est le moment de l'adoption. C'est à ce moment que Momo voit l'amant de quelqu'un qui va l'aider. Donc, on est là, c'est cette expression de la tendresse qui est décrite dans les deux textes et qui constitue l'idée dominante des deux textes. C'est vrai que les textes de Bachibak parlent de l'amitié, c'est vrai, hein, il y a une amitié, mais moi, je soulignerais plutôt l'histoire d'amour donc dans le sens de la tendresse. Mais revenons un peu en arrière à la dernière, à la phrase de Monsieur Amil pour comprendre aussi, pour introduire le ton comique de l'histoire. Donc, Monsieur Amil répond avec une phrase absurde, évidemment. On est en train de parler d'aimer quelqu'un. Et il répond, j'aime beaucoup le couscous, mon petit Victor, mais pas tous les jours. Alors, comment vous pourrez interpréter cette phrase qui est dite par quelqu'un qui est considéré un sage, même s'il a perdu sa mémoire, un sage aveugle? Faudrait-il peut-être considérer que couscous,
fait référence à la réduplication du mot « cus » qui signifie « con », c'est-à-dire le sexe féminin en arabe colloquial du Proche-Orient. Étant donné que M. Hamil, comme vous le savez, il parle toujours à la mort d'une femme, et donc il fait référence à un amour passionnel, on voit bien que le ton de deux textes est comique, et il est comique afin de rendre supportable la vie, comme nous le verrons tout à l'heure. Donc, vous pouvez gloser, vous pouvez maintenant interpréter cette phrase, « Monsieur Hamil, est-ce qu'on peut vivre sans aimer quelqu'un ?» Et Hamil répond, « J'aime beaucoup le couscous, mon petit Victor, mais pas tous les jours. » Bon, ce serait un autre niveau interprétatif. Et là, on peut voir aussi la différence entre le niveau interprétatif de l'enfant, qui est présenté comme un puer senex, c'est-à-dire un enfant précoce, et avec donc ce personnage senex dans le sens de sage, qui est représenté par M. Hamil et par M. Ibrahim dans le conte. Donc là, je vous parle de deux motifs qui ont été décrits par la critique formelle. Donc le motif ça vient du latin, hein, du puer, de l'enfant vieux. C'est-à-dire, c'est un enfant qui a des pensées mûres, des pensées d'adulte sage. Très bien, passons maintenant à l'analyse du genre. Moi, je vous ai parlé qu'au XXe siècle, tous les études littéraires parlent de la typologie textuelle, même la didactique de la langue a mis l'accent sur l'étude du genre, de la typologie textuelle. Donc, dans ce cas, on voit une inversion, vous le savez bien. On a un roman, La vie de François, et de l'autre côté, on a un conte. Donc, cela a des conséquences sur la comparaison, sur les résultats de la comparaison. Il faut rappeler que le récit de Schmitt a été d'abord un monologue, une pièce de théâtre avec un seul acteur, un narrateur-personnage, c'est Momo, le narrateur-personnage. Et cette genèse du texte de Schmitt met en scène les péripéties d'un enfant abandonné, autrement dit, qui se place face à la vie, qui fait apparaître la vie devant soi, la vie devant l'auditeur, alors que le texte d'Egari est un roman, c'est-à-dire, c'est un genre beaucoup plus concentré sur les aspects psychologiques du récit, c'est-à-dire dans la naissance du genre, le roman, au Moyen-Âge, c'est notamment à partir du développement du jeu, de la psychologie, que le genre peut être caractérisé. C'est à partir de la traduction des textes latins où l'on voit que le texte en français médiéval, en ancien français, c'est un texte où il y a une amplification de tout ce qui est tout ce qui a rapport à la psychologie des personnages, comment ils souffrent et donc à l'intérieur du personnage. Donc, mais de l'autre côté, il y a un élément qui les rapproche, c'est la fin de l'histoire, parce que le roman et le conte finissent avec un happy end. Donc, ce sont d'abord, donc il y a une inversion de genre, mais finalement, on a disons une conclusion qui, je vous le dis franchement, cela choque un peu. Hein. Mais bon, ça c'est une question personnelle. Alors, je me demande si le moment de Gary
il trouverait vraisemblable la fin de son histoire, hein, c'est-à-dire l'adoption par quelqu'un de l'autre quartier, hein, des quartiers riches, une blonde et un psychiatre. On peut penser que Ramon, donc, il est psychiatre. Il y a aussi un élément qui est important parce que c'est un élément qui a des conséquences sur l'interprétation des textes. À la fin du roman de Gary, le lecteur s'aperçoit que le destinataire du texte n'est pas lui-même. Donc, moment dans le roman, il ne parle pas vraiment au lecteur, mais ces lecteurs, ils sont précisément ses parents adoptifs, Nadine et Ramon, qui écoutent le récit picaresque de son héros, alors que les destinataires du conte ne font pas partie du texte que de façon indirecte, ce sont les auditeurs et les lecteurs. Hein. Vous voyez donc que les destinataires dans le conte, dans le roman, ce sont les mêmes personnages qui sont dans le roman. Et là, on peut voir, si vous voulez, un effet, une espèce de mise en abîme qui est en effet un recours narratif exploité par les deux auteurs, mais que je ne veux pas traiter ici. Peut-être si vous voulez en parler plus tard. C'est-à-dire, il y a un effet de spécularité dans les destinataires du texte. Passons maintenant à analyser les motifs du récit. Comme je vous ai annoncé tout au début, donc dans le schéma que je vous ai passé. Donc, du point de vue formel, les motifs du récit coïncident. Vous le voyez bien, le problème, la problématique, c'est l'abandon d'un enfant et la solution, c'est l'adoption. L'élément donc tragique se situe, l'élément tragique se situe donc dans l'abandon matériel au début du conte, parce que le père de Momon, il abandonne matériellement, si vous voulez, l'enfant, ou bien réel, quand le père disparaît. Et tous les deux, ce sont des enfants qui sont dans un quartier, dans un contexte plutôt défavorable. Les adultes qui adoptent Momon, ça on l'a vu, et je pense que c'est un trait qui a été beaucoup décrit, dans les études. Il y a une inversion, le Momon de Gary est musulman, et il est élevé par une juive, survivant de l'Holocauste, et alors que le Momon de Schmitt a une origine juive, il s'est fait doter par un soufi, donc par un musulman. Donc, les deux récits, si vous voulez, se tiennent la main dans un binôme où cette inversion prouve que l'humanisme des récits, dans cet humanisme, les origines et la religion ne sont pas forcément déterminants. Et là, on peut voir comment l'humanisme survole, en fait, les deux textes. Bien. Alors, on va maintenant développer l'analyse du narrateur et du style. On a déjà parlé du narrateur, c'est un narrateur personnage, la première personne qui présente une perception enfantine qui permet d'articuler ou de faire passer le tragique à partir du comique. Et ça, on va le voir plus tard à partir de textes de Romain Gary qui sont autobiographiques.
Bon, on commence par la perception. Vous voyez que la perception enfantine, je vous l'écris, ça, c'est Chier qui le déclare, la perception enfantine du jeune narrateur génère du comique dans un récit plutôt tragique. Donc, c'est une perception enfantine, mais attention, c'est un adulte qui raconte son enfance. Pourquoi donc ces narrateurs en première personne? Bon, la vie devant soi explicite le choix du narrateur personnage dans la première personne, et la justification, ce serait la suivante: pour faire vivre l'histoire au lecteur qui l'adopte. Si finalement le lecteur, il va adopter l'enfant, si vous voulez, dans l'acte de lecture. Non, excuse-moi. Alors, qu'est-ce qu'il dit, la vie devant soi? Il dit, il faut voir ça avec ses yeux pour y croire. Parce que les yeux des autres, ce n'est pas la même chose. Vous connaissez le langage enfantin de Momo? Donc, il faut voir ça avec ses propres yeux, ses yeux, pour y croire. Donc, pour vivre l'expérience, l'écrivain Gary choisit la première personne. Parce qu'il faut souffrir, il faut s'initier à la vie à partir donc du regard des expériences du personnage, de Momo. Et pour faire cela, le lecteur, et là on passe au style, le lecteur, pour faire vivre dans ses expériences, les auteurs se servent d'une fausse naturalité langagière qui est explicite dans le roman. À plusieurs reprises, il y a des phrases anticipatrices, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je l'ai dit comme je le pense, je ne m'en souviens plus, mais je crois. Hein, donc, ce sont des recours de naturalité, de fausse naturalité, qui essayent de faire entrer le lecteur à l'intérieur du texte. C'est Chier qui le déclare ainsi. Dans chaque cas, la perception enfantine du jeune narrateur, donc c'est toujours une perception à partir d'un langage qui crée un espace de réalité, un espace de vécu, d'expérience. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a aussi du point de vue formel? Bon, la langue est colloquiale, vous le savez, voire vulgaire, on se sert de mots vulgaires, par exemple « pute ». Le premier terme de la négation est souvent omis, très souvent, et on sait bien que dans le manuscrit de Gary qu'on conserve, il a effacé les premiers termes de la négation. Il a aussi éliminé des adverbes de négation, donc ce sont des interventions finales de l'auteur. Et il y a aussi des phrases sans sujet explicite. Il faut défendre sa famille. Il dit par exemple « Momo » dans « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran ». Ce sont des phrases sans sujet explicite qui ne sont pas possibles, comme vous savez, à l'écrit en français. Donc, on est en train d'analyser plutôt le style, ce langage enfantin, que j'essaye de vous présenter à partir donc des caractéristiques de l'analyse de la langue formelle. Donc, on retrouve de l'argot, une syntaxe oralisante et illogique. Je pense que là, on est d'accord, c'est le style d'Émile Ajar. Il y a des jeux de mots, des insertions de paraphrases, c'est-à-dire dans les discours, on va le voir, on entend Madame Rosa parler dans le discours de l'enfant qui reprend les phrases qu'il ne comprend pas et qui les insère dans sa pensée et dans son discours. On a donc des raisonnements fallacieux
qui crée un choc entre morale et la morale, donc la société, les gens bien, si vous voulez, et la raison pratique qui est représentée, peut-être de façon indirecte, par Madame Rosa, par exemple, non, de façon très forte. On va voir des exemples. Par exemple, dans La vie devant soi, Madame Rosa et les Juifs qui faisaient des faux papiers n'ont pas été exterminés par erreur. Donc, il faudrait analyser quel est le sens de ce par erreur. On voit bien que là, on est dans l'humour subversif. Un autre exemple, Madame Rosa parlait souvent des nazis et des SS, et je regrette un peu d'être née trop tard pour connaître les nazis et les SS avec armes et bagages, parce qu'au moins on savait pourquoi, maintenant on ne sait pas. Donc je vous ai marqué en bleu ce que l'éditeur pourrait avoir marqué, entre guillemets, par exemple. C'est là qu'on est en train d'entendre ce que Momo écoute dans son entourage. On voit bien que ce sont des paraphrases qui sont introduites et qui créent cette illusion de langage naturel et de perception enfantine de la réalité. C'est à partir de l'analyse de la langue qu'on peut voir ça. Un autre exemple, le préjugé t'aurait donné un choc traumatique. Excuse-moi, il y a des erreurs, je vois bien, par exemple là, avec l'accent. Comme la médecine l'exige. Donc, vous voyez là qu'il y a un détournement du rapport cause-effet, donc ces effets illogiques, ces raisonnements qui sont finalement fallacieux. Ce n'est pas la médecine qui exige que le préjugé donc donne un choc traumatique. Hein, ça, c'est la pensée de l'enfant, c'est la perception de l'enfant, ce sont les paragraphes, ceux qui ne comprennent pas et qui écoutent des autres, des adultes. Et encore un autre exemple du roman, parce que c'est vraiment Émile Ajar, là, on est dans le style d'Émile Ajar. Et je lis, quand elle était malheureuse et ne savait pas à quel sens se vouer, Madame Rosa sortait le portrait de Hitler, le regardait, elle se sentait tout de suite mieux. Donc là, on voit le style qui est oralisant, argotique, donc marqué par le contexte sociopolitique. On a aussi des discours qui sont illogiques et le lecteur, il devra chercher à interpréter la phrase. Et il y a aussi des effets donc dérisoires, non? Donc le regard du portrait de Hitler qui apparaît et qui va prouver à la fin du roman que Madame Rosa est morte. Donc il traverse tout le roman. On continue avec le style. Vous voyez, je me concentre dans La vie devant soi, mais c'est parce que je considère que c'est l'hypotexte et que ensuite on pourra donc le comparer au style de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, mais c'est surtout à partir du genre, parce que comme on voit que c'est un aspect formel qui essaye de faire vivre une expérience, et que le roman, il a un contenu psychologique par nature supérieur au conte, on voit bien que ce style, il caractérise davantage le texte du roman. Mais on verra que cette perception enfantine, on la retrouve aussi dans le conte. Donc, il y a aussi les dénégations. Les dénégations, ce sont des négations qui seraient des affirmations, si vous voulez, pour l'interprétation psychoanalytique. Vous allez le voir dans l'exemple. Regardez, le plus grand ami que j'avais à l'époque était un parapluie nommé Arthur. C'était pas tellement pour avoir quelqu'un à aimer, mais pour faire le clown. Là, on voit vraiment une pensée d'adolescent. C'est-à-dire parce que finalement, la dernière chose qu'il va demander à Ramon, Momo, c'est d'aller chercher le parapluie parce qu'il faut l'aimer, à cause de sa valeur sentimentale.
Donc là, en fait, on voit qu'il est, le moment, il est en train de mentir, il est en train de feindre qu'il n'est pas intéressé à, voilà, à aimer un parapluie. Il est toujours conscient que c'est un parapluie. Et donc, il va l'expliquer autrement. Bon. Alors, je me suis perdue. Excuse-moi. D'autres effets de style, et qui, celui-là, il est partagé par les deux textes, c'est des phrases à allure proverbiale. Mais évidemment, ça a à voir avec la fonction didactique des deux textes, et donc avec ce contenu de sagesse qui est véhiculé par plutôt Monsieur Hamil dans le roman et Ibrahim dans le conte. Donc, la personne qui va adopter l'enfant abandonné. Je vous ai mis quelques exemples, mais je suis sûre que vous les avez repérés parce que ce sont des éléments très importants dans, disons, dans le développement didactique finalement des récits. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi ces deux textes au programme, hein, parce qu'ils ont une forte valeur didactique. Par exemple, dans le roman, Momo dit « le temps est encore plus vieux que tout et il marche lentement ». C'est un thème, le temps. Hein, il y a même des allusions à la recherche du temps perdu de Proust. Dans Monsieur Ibrahim, le père aussi, il parle du temps. Donc, c'est un thème récurrent que je ne peux pas développer ici. Un autre exemple, l'espoir, c'est un truc qui est toujours le plus fort, même chez les vieux, où personne ne veut se sentir seul dans le malheur, ou bien plus on connaît et moins c'est bon. Alors, vous reconnaissez le style. Dans Monsieur Ibrahim, c'est souvent... Monsieur Ibrahim qui, dans le conte, c'est souvent Monsieur Ibrahim qui va adresser ces espèces de proverbes au petit Momo. Il dit « c'est sourire qui rend heureux, bien, polissez bien, aimable c'est mieux, ou bien, et là on retrouve la lenteur, c'est ça le secret du bonheur. » Donc, voilà ce qui concerne un style qui est partagé par les deux textes. Alors, il y a aussi le recours au paradoxe et à l'absurde. En fait, vous voyez bien, c'est les chocs entre les préjugés et la morale des gens bien, de la société, des droits et des devoirs, qui est un recours de Mijajar, qui cache la ruse et la sagesse dans un regard qui se voudrait libre des préjugés. C'est la volonté de cette perception enfantine. On a vu que c'est la syntaxe, surtout à partir des connexions, des connecteurs logiques, les adverbes. Il faut faire attention aux adverbes et aux conjonctions qui font des phrases qui sont finalement implacables pour la morale. Hein. Le vocabulaire et la sémantique des deux enfants, mais surtout du moment de Gary, débordent, comme on l'a vu, des raisonnements fallacieux qui désarment la morale. Parce qu'il mélange donc deux niveaux, le niveau social et le niveau individuel, où les auteurs démasquent les sophismes des discours politiques, par exemple face à la bonne foi de l'enfant. Alors, donc cette phrase qu'on a vue tout à l'heure, les Juifs n'ont pas été, il y a des Juifs qui n'ont pas été exterminés par erreur. Donc, ça donne un effet paradoxal et comique que je vous présente dans cette diapositive. Les exemples, je pense que vous pouvez les comprendre parce que vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire du chien, par exemple. Je l'aime tellement, je l'ai même donné.
ce n'était pas une vie pour chien. Bon, il ne le donne pas, il le vend, n'est-ce pas, et il jette l'argent. Ou bien un autre effet paradoxal, malgré son poids, Madame Rosa avait de la délicatesse. Donc, on a le poids confronté à la délicatesse. Ensuite, il y a une phrase prononcée par Madame Rosa, « Depuis que je suis sortie d'Auschwitz, je n'ai eu que des ennuis. » Donc, ce sont des sujets qui sont très durs, qui sont très forts, mais à partir du paradoxe, ou c'est la paradoxe qui va créer un effet de comicité. Et un exemple tiré de Monsieur Ibrahim et le fleur du Coran, c'est fou, mais c'est Ibrahim, comme les vitrines des riches sont pauvres. Donc, vous voyez, il y a deux éléments opposés qui ont un rapport qui n'est pas... qui démasque, en fait, la critique sociale véhiculée par les deux textes. On pourrait relier tout ce style... paradoxal, subversif, en fin de compte, à un principe d'action énoncé par le surréalisme qui voudrait donc changer la perception de la réalité, c'est-à-dire avec figures de style que je vous ai montrées. Ce qu'on essaye, c'est de changer la perception de la réalité et on se sert d'une perception d'un enfant ou d'un adulte qui raconte la perception d'un enfant, dans les deux cas. Donc, on est là, on voit Gary imprégné par l'absurde et par le surréalisme donc, qui a vécu la littérature française. Alors... Excuse-moi. Donc, on continue à parler de l'humour. Alors, c'est un humour qui est relié à la sagesse, vous le voyez bien. Et en fait, dans La promesse de l'aube, Romain Gary, il fait une déclaration qui me semble importante pour comprendre cet humour, ou qui au moins résume cet aspect. Pour lui, l'humour, je lis, est une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive, c'est-à-dire sur la tragédie. C'est à partir de l'humour, comme je vous disais tout à l'heure, que la tragédie peut être racontée. Et Momo déclare dans La vie devant soi, « J'ai jamais aimé faire de la peine aux gens. Je suis philosophe. » Il me semble que c'est une affirmation importante, c'est-à-dire... Il ne va pas raconter, il ne va pas se plaindre, hein, mais il va il va réfléchir, et donc il va faire réfléchir le lecteur et donc les adopteurs, si vous voulez. Évidemment, comme je vous disais, ces recours stylistiques sont moins présents dans le conte, mais il y en a quelques-uns. Par exemple, à la page 66, je lis « C'est sûr que ça fait un peu bizarre de voir deux professeurs de l'éducation nationale recevoir Mohamed l'épicier, mais enfin, pourquoi pas, je ne suis pas raciste. » Donc là, on observe ce recours au paradoxe, si vous voulez, à une perception différente de la réalité. Il n'est pas raciste de recevoir des gens bien à la maison, lui. Hein. C'est toujours cet élément qui va opposer une perception dite normale,
qui pourrait être représenté par le docteur Katz dans le roman. Le docteur Katz, il a toujours un style sérieux où tous les mots veulent dire la même chose, et même il interroge Momo, notamment à la fin du roman, sur les mots qu'il prononce. Par exemple, vous connaissez bien « se défendre » ou « autour de la mort ». Donc, il représente la pensée cartésienne, la pensée droite, on pourrait dire. Vous voyez qu'on peut retrouver ce style aussi dans le conte, même si il est plus, même si dans le roman, ce style inonde le texte. Donc, on parlait de l'humour et comment l'humour, il arrivait à présenter des faits tragiques. En fait, ces faits, ce sont des thèmes qui sont présentés dans La promesse de Locke, qui est un récit de nature autobiographique de Romain Gary, où il déclare « Je commençais, je cite Julie, je commençais à m'intéresser enfin aux problèmes sociaux et à vouloir un monde où les femmes seules n'auraient plus à porter leurs enfants sur le dos. Mais je savais déjà que la justice sociale n'était qu'un premier pas, un balbutiement du nouveau-né, et que ce que je demandais à mes semblables était de se rendre maître de leur destin. Ce qui fait Momo dans le roman. Je me mis à concevoir l'homme comme une tentative révolutionnaire en lutte contre sa propre donnée biologique, morale, intellectuelle, car plus je regardais le visage vieilli, fatigué de ma mère, et plus mon sens de la justice et ma volonté de redresser le monde, car plus je regardais le visage vieilli, fatigué de ma mère, et plus mon sens de la justice et ma volonté de redresser le monde, de le rendre honorable, grandissait en moi. En fait, la fonction didactique, elle est vouée vers une transformation de la réalité, évidemment, qui est donc énoncée par ce texte où l'on voit les thèmes majeurs du roman et qui justifie le style et qu'on peut retrouver aussi dans le conte de Schmitt. En ce qui concerne les thèmes traités, Schmitt parle de l'actualité du récit. C'est assez impressionnant parce que en 2016, dans un entretien autour de la présentation de la pièce de théâtre, vous savez qu'il a été même lui-même acteur de ce texte, hein, donc il a été Momo. On lui demande sur l'actualité de l'œuvre et il avoue le texte marche mieux dans le contexte actuel qu'au moment de sa création en 1979. Et je pense que ça, c'est important. Là, au moment où l'on parle de l'inondation de ce qui est politiquement correct donc sur les médias, sur Internet, l'auteur Schmitt réindique l'actualité, même il dit qu'il est plus actuel que lorsque il fut écrit à la fin du XXe siècle. Ça, c'est quand même assez frappant, je trouve. Alors, vous voyez que la narration et le style donnent beaucoup de pistes, beaucoup d'informations. C'est surtout à cause du style de Émile Ajar que, en partie, Schmitt imite. Et je pense que c'est important de l'analyser parce que cela donne des pistes sûres aux étudiants.
c'est-à-dire quand ils vont devoir écrire sur le texte un fragment d'un exercice, de l'épreuve, c'est toujours intéressant de pouvoir analyser un peu la syntaxe, la sémantique, le lexique, c'est-à-dire des éléments qui soient formels. À cet âge-là, je pense que ce sont des éléments extérieurs, externes, beaucoup plus faciles à repérer que des analyses qui seraient plus interprétatives pour un adolescent, finalement. Donc, je vais maintenant présenter, j'ai traité les thèmes, enfin, les éléments majeurs. Je m'essaie de ce mot « élément » parce qu'il est un peu un joker, c'est-à-dire, vous savez que la terminologie scientifique est très marquée. Donc, bon, un élément, c'est un genre, c'est un mot général. Donc, on parlait de l'idée dominante, on a parlé des motifs, du genre, de la jeunesse, donc on a parlé du narrateur, du style, de l'humour, du ton, de la fonction du comique dans le tragique. Et maintenant, je vais vous présenter quelques détails qui me semblent, enfin, des éléments qui sont très précis dans la comparative des deux textes. Bon, on sait très bien, cela a été déjà énoncé par la critique, que Monsieur Hamil pourrait donc être l'hypo-personnage, si vous voulez, de Monsieur Ibrahim. Mais je veux vous montrer des exemples très concrets. Par exemple, dans La vie devant soi, on lit, il me faisait lire le Coran, car Madame Rosa disait que c'était bon pour les Arabes. Donc là, on voit la lecture du Coran dans une phrase concrète. Donc, évidemment, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, et donc le cadeau que Ibrahim donne, que Monsieur Ibrahim donne au petit moment, c'est un Coran où il y a donc ces fleurs. Et on sait bien que c'est Monsieur Ibrahim qui apprend à tout au petit moment. Dans La vie devant soi, on dit de Monsieur Hamil: j'ai lu ce que je pus grâce à Monsieur Hamil, à qui je dois tout. Et ça se répète. La mère aussi, ça pourrait m'intéresser. Je laissais là l'élément de la mère qui est important dans l'histoire de Monsieur Ibrahim. Monsieur Hamil en parle avec beaucoup d'estime. Je ne sais pas ce que je serais devenue sans Monsieur Hamil qui m'a appris tout ce que je sais. Donc, on voit bien ce parallélisme entre ces deux personnages, même si M. Ibrahim n'est pas Madame Rosa, dans le sens où Hamil n'adopte pas Momon, si vous voulez, il adopte du point de vue spirituel, comme fait M. Ibrahim. Et on voit aussi la philosophie de M. Hamil. Je cite là, il paraissait heureux parce que c'était un homme qui ne demandait pas cher. Donc, on parle de la simplicité de la vie, donc philosophie de Monsieur Ibrahim. Et ensuite, dernier exemple, les vrais croyants sont des personnes, excuse-moi, il manque un N, qui croient en Dieu comme Monsieur Hamil. Donc, on voit les parallèles. Il y a aussi des parallèles qui sont très précis. Par exemple, le train qui représente la vie, la mort pour le juif, dans La vie devant soi, oui, et dans Ibrahim. Et aussi, regardez, lorsque Momo vole dans La vie devant soi, dans une épicerie, et qu'il essaye de se faire adopter par l'épicière, ou lorsque Moïse est adopté lui-même par des épiciers, on voit donc cet espace, l'épicerie, qui apparaît aussi comme un espace d'adoption dans le roman, et qui sera donc déterminant dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Donc, il y aurait aussi un autre symbole majeur, par exemple les fleurs, la beauté. Le dernier mot de Madame Rosa, c'est Blumentag, c'est-à-dire le jour des fleurs. Et dans le titre, on voit la présence des fleurs
dans le livre, dans le Coran de Monsieur Ibrahim. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a son microphone. Ça me perturbe un peu. Tamara, est-ce que vous pourriez éteindre votre microphone, s'il vous plaît? Je ne sais pas si on peut éteindre son microphone. À lundi. Bon week-end. Bon, je vais bientôt finir. Je voudrais juste vous présenter les absences majeures entre ces deux textes, parce qu'on a parlé des ressemblances, on a parlé des inversions, mais et évidemment, il y a des absences. Chier et Chilidaï les ont présentées tout au début, lorsque j'ai lu des textes issus des études. Les absences majeures, c'est évidemment le traitement de l'euthanasie, de la vieillesse et de la peur, qui est un sujet récurrent dans le roman. Si vous cherchez les mots peur dans un PDF, dans le roman, vous trouverez des choses extraordinaires, ainsi que le mot vie, ainsi que le mot rien. Rien, souvenez-vous, c'était le premier titre que Romain Gary avait choisi pour ce texte. Rien, et ensuite la tendresse des pierres qui a sûrement inspiré la couverture, l'image de la couverture que vous connaissez sans doute. Je ne sais pas si vous avez cette édition. Donc, donc Gary a finalement changé juste avant l'apparition du roman. C'est pourquoi je pense que les pierres et la tendresse, et moi aussi, hein, est important, comme on a vu tout à l'heure, que en fait, c'est une couverture qui a été préparée pour un titre qui est celui de la tendresse des pierres. Je souligne donc l'élément de la tendresse qui est important. Bon, là, je vous présente pour finir le résumé des aspects qu'on a travaillés. L'idée dominante, la fonction, les motifs du récit, les narrateurs, le style et les tons. Il y aurait aussi d'autres sujets. Je vous ai un peu présenté le pouvoir Senex et le Senex. Il y aurait aussi le travail sur l'identité, les éléments du récit, la mémoire, les prostituées. La femme est très importante. Il y a un article sur la femme aussi. Le contexte, le quartier populaire. Et donc, en fait... Voilà. Je voulais juste vous montrer que la comparaison entre ces deux textes, elle est riche, que je pense que c'est un élément mémotechnique important pour les étudiants que cette analyse, cette méthode, elle peut servir à élargir cette liste et à lancer d'autres éléments interprétatifs qui pourront donc motiver l'interprétation ou autre type d'interprétation de ces deux textes. Excuse-moi parce que ce bruit me dérange et je n'arrive pas à me concentrer. De toute façon, j'ai fini l'exposition, j'ai fini l'exposé. Je ne sais pas si vous voulez me corriger ou je ne sais pas, intervenir, me poser des questions, évidemment, que je vais essayer de répondre, évidemment. Alors, sur le PowerPoint, il y aura, je vous le montre, la bibliographie.
Non, c'est une étude autour de Romain Gary, l'image féminine, comme je vous avais dit, l'analyse de l'image féminine dans l'œuvre de Romain Gary est intéressante, parce que l'image féminine, vous pouvez la retrouver aussi, vous pouvez faire cette analyse dans le conte. Pour M. Ibrahim, les femmes sont très importantes, vous le savez, il ne faut jamais vexer une femme, c'est une phrase prononcée par Monsieur Ibrahim. Ensuite, bon, il y a l'édition de la Pléiade, évidemment. Ensuite, il y a cet entretien, c'est un CD où André Bourin interview Romain Gary. Il est très intéressant. Il y a des idées qui sont sorties de là. Hein, quand il parle de l'humour ou des juifs, de l'humour juif, quand il parle de la mer, je suppose que vous êtes au courant de rapport de l'image de la mer de Romain Gary. Ensuite, il y a fiction et humanisme dans l'œuvre de Romain Gary. Chier, je pense que je vous l'ai présenté pas mal, oui, parce qu'il parle de la philosophie, hein. De Schmitt. Ensuite, la danse de Romain Gary ou de Gengis Khan, donc qui est un autre récit de Romain Gary, c'est un article intéressant aussi, celui-là, de Kaufmann. Bon, sur le style de Émile Ajar, ensuite, le mécanisme de l'ironie dans, littéraire, dans le roman de Émile Ajar. L'utopie et l'ironie, une autre étude sur l'ironie. Ensuite, il y a cet ouvrage qui rassemble des textes critiques sur les œuvres de Romain Gary. Il y a aussi des réflexions très intéressantes sur la traduction. Alors, est-ce que vous pouvez vous imaginer les problèmes pour traduire ce style de paraphrase, d'illogique pour un traducteur au russe ou en espagnol ou en catalan? C'est un vrai défi, hein, parce que la syntaxe est complètement déformée. Hein, quelle conjonction choisir si la conjonction n'a pas le même sens? Elle a un changement de sens. Hein, si la cause n'explicite pas la cause dans la phrase, mais la conséquence, hein, par exemple. Donc, il y a des traducteurs qui ont fait quelques études sur notamment les défis de la traduction. Et là, on voit vraiment le style, hein, quand on commence à travailler avec la langue. Ensuite, j'ai mis quelques articles de Libération, du Monde, de La République en italien. Je vous ai présenté aussi l'étude pas mal de Chiliaï, les inversions de l'héritage littéraire. Elle est plutôt sur les inversions. Donc, les effets spéculaires. Bon, ici, j'ai l'édition. Excuse-moi, là, il y a l'année qui est répétée. Voilà, donc l'entretien à la Repubblica, la magie dans l'œuvre romanesque de Gary et d'Ajar, et donc un autre article sur le Monde. Je ne sais pas si vous savez que je pense que les manuscrits autographes du roman de Gary, ils sont aux enchères. Le prix estimé est de 12 000, 15 000 euros. Et là, on peut voir donc l'écriture et surtout la vitesse d'écriture avec laquelle donc le roman il a été écrit en une semaine. Donc vous imaginez, moi j'ai mis une semaine à le lire au moins. Et Gary, il a écrit comme un fou. Hein. Bon, alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que des commentaires qui pourraient enrichir l'analyse?
Il y a Leïla qui a demandé, à cause de micro qu'on n'entendait pas bien, si c'est possible de reprendre une partie de l'explication des symboles. Ouh là là, mais bien sûr. Alors, c'est vrai que j'ai essayé de continuer, mais c'était dur. En fait, si vous voyez, j'ai fait le parallélisme, enfin, je fais l'analyse des éléments majeurs, je répète, l'idée dominante, la fonction, le style, et je pensais peut-être que l'exposé, il manquait de concrétion, de voir des éléments qui soient vraiment concrets et qui puissent montrer qu'une analyse précise d'un fragment peut donner des commentaires qui soient attachés au mot, finalement. C'est-à-dire, non pas de parler de l'idée dominante ou quoi que ce soit, mais de parler des éléments très précis. Et donc, je choisis de comparer ces deux personnages et de trouver des phrases qui le relient concrètement, et non pas à partir des idées qu'on a ou de la construction des personnages. Donc là, par exemple, on voit que Madame Rosa fait lire le Coran, c'est-à-dire la juive fait lire le Coran au petit Momon parce qu'il veut bien qu'il soit arabe. Bon, c'est déjà marqué sur la note de l'abandon. Et ensuite, parce qu'on dit, bon, là, dans la phrase, il me faisait lire le Coran car Madame Rosa disait que c'était bon pour les Arabes, comme si, bon, là, ça c'est l'humour, hein, comme si c'était pas bon pour les Juifs, etc. Et ensuite, j'ai lu, je sais que je pue grâce à Monsieur Amil, à qui je dois tout. Donc, le moment de Schmitt, il doit tout à Monsieur Ibrahim. Et là, on voit aussi que Momon, il déclare qu'il doit tout. On parle évidemment de l'apprentissage de l'écriture, de la sagesse, si vous voulez, pas de la raison pratique, peut-être plus du côté de Madame Rosa. Donc là, c'est la sagesse de Monsieur Amil qui lui arrive. J'ai tiré des phrases concrètes. La mère aussi, ça pourrait m'intéresser. Monsieur Amil en parle avec beaucoup d'estime. Et à la fin du conte, ils vont visiter la mère, n'est-ce pas? C'est un événement joyeux. Je ne sais pas ce que je serais devenue sans Monsieur Amil qui m'a appris tout ce que je sais. Là, on répète. Parce que, en fait, je voulais aussi vous montrer que dans le roman, il y a pas mal de répétitions. Et ce sont des répétitions qui sont aussi, qui essayent de donner ce style naturel au langage. Ensuite, sur Monsieur Amil, il paraissait heureux parce que c'était un homme qui ne demandait pas cher. C'est donc ce qui concerne la sagesse, ce senex, ce sage, qui est représenté par Monsieur Amil, Ibrahim, pardon, dans le conte. Et ensuite, les vrais croyants sont des personnes qui croient en Dieu, comme Monsieur Amil. Donc, dans Monsieur Ibrahim, on voit bien une sincérité de la foi, je pourrais dire. Ça, c'est ce qui concerne les personnages, des phrases qui sont concrètes, qui relient les deux textes concrètement. Ensuite, il y a aussi les symboles. Si vous cherchez le train, vous verrez toujours que le train, comme la chanson de Beko, je pense, il représente la vie. Rosa attend un train. Bon, elle est traumatisée, non, par l'Holocauste. Donc, avant de mourir, elle attend un train. C'est le suicide du père de Momon, du Momon de Schmitt, qui se suicide, donc qui se jette au train. Ensuite, il y a l'élément de l'épicerie qui est centrale dans le conte, il apparaît dans le roman, et même aussi le fait de voler quelque chose pour se faire remarquer. Momon vole dans une épicerie, essaye de se faire adopter par l'épicière, ça c'est dans les pages 15 et 16 de la vie, vous le retrouverez. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il vole un œuf et il reste là avec l'œuf à attendre que l'épicière l'adopte, le pauvre. Il y a une phrase très dure, il dit « Je croyais que c'était pour la vie, mais c'était simplement un œuf. »
Donc l'épicière lui offre un autre œuf et il reste avec cet objet. C'est toujours pour se faire remarquer, pour se faire adopter. Ensuite, il y a le symbole des fleurs aussi. J'ai choisi ce symbole parce qu'il apparaît dans le titre, non ? Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Donc, il faut comprendre. Les fleurs, je pense, je ne sais pas, mais je pense que c'est la représentation de la beauté que je n'ai pas traité ici, mais qui donne aussi des résultats. C'est-à-dire, la beauté intérieure, on l'a vu dans l'exemple tout à l'heure, non ? Plus elle vieillissait, plus je l'aimais, parce qu'elle était moche, parce que elle, c'est un peu comme le parapluie. On l'aime seulement parce qu'il a une valeur sentimentale. La vieille Rosa, elle est moche à la fin de l'histoire. En fait, le petit moment, il essaye de la maquiller, n'est-ce pas, dans un geste désespéré, un geste très tendre aussi, je trouve. Il y aurait aussi l'analyse des couleurs. La peur, vous le savez bien, elle est toujours bleue. Donc, le bleu et les gris sont toujours, ce sont des couleurs froides. Si vous les cherchez dans les textes, vous trouverez, c'est toujours des couleurs de peine, de tristesse. Alors que lui, il essaye de la maquiller, de maquiller le cadavre de Madame Rosa avec du rouge, avec du rose. Non, il va acheter, ce sont des gestes désespérés, le parfum. Non, pour que le corps y tienne, pour qu'il ne soit pas abandonné, n'est-ce pas ? Donc le dernier mot de Madame Rosa, ça rappelle un peu, ça me rappelle moi le film du citoyen, comment c'est déjà, le film d'Orson Welles, les citoyens, vous pouvez m'aider peut-être. Kane. Oui, voilà. Parce que lui aussi, bon, le mystère, le problème du film, en fait, c'est le mot prononcé, n'est-ce pas ? Ensuite, on apprend en fait que c'est très tendre. Je pense que c'est la luche, non ? On le voit sur la boule de neige qu'il tient, qui tombe quand il meurt. Donc, qu'est-ce que prononce Madame Rosa ? Blumentag, le jour des fleurs. C'est la féminité qui peut tout, dirait Momo. Hein, il dit ça, le petit Momo. Et ensuite, évidemment, les fleurs qui représentent la beauté interne aussi, mais bon, est le moins exprimé dans le conte de M. Ibrahim et les fleurs du Coran. Donc, c'était pour vous dire qu'il y a plein de petits éléments au-delà de l'idée dominante, de l'idée synthétique, de la fonction, du genre, des personnages que vous trouverez dans toutes les études. Si vous avez le temps de les lire, il y a des petits symboles qui se répètent. Je pense que le parapluie, il n'apparaît pas dans les fleurs, dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Le parapluie qui représente la protection, n'est-ce pas ? Et qui est l'élément, le dernier élément à apparaître. C'est un objet qui est personnifié par cet enfant précoce, qui ne l'est pas finalement, parce qu'il avait moins d'âge, il était daté, vous me comprenez. Donc, il y a un court-métrage qui s'appelle Umbrella, brésilien, muet. Donc, c'est un court-métrage où je pense qu'il y a aussi cette histoire symbolique des objets. Et on voit un parapluie aussi. C'est un enfant abandonné qui est mis dans un foyer. Et je ne sais pas, moi je pensais à la chanson de Beko sur le train, non ? Comment c'est déjà ? On prend toujours un train, je pense, donc pour le symbole du train. Et ensuite, ce court-métrage qui s'appelle Umbrella, que vous trouverez sur YouTube. Il y a aussi la chanson de Brassens, reprise par Ian Tiersen, Le parapluie, où l'on voit la symbolique de cet objet de protection. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson, elle est vraiment elle est très belle. C'est une personne qui a un parapluie et qui aide une autre personne qui n'en a pas et qui l'héberge dans ce petit parapluie, dans ce petit monde de protection.
Donc, les symboles. Et ensuite, pour finir, je vous présente les absences, c'est-à-dire le sujet de l'euthanasie et les sujets de la peur. La peur, c'est un mot, c'est peut-être le mot le plus récurrent dans le roman de Gary. La peur, elle apparaît aussi dans le conte de Schmitt. Elle apparaît lorsque la mère, par exemple, va chercher son petit. Il dit, elle avait peur. C'est Momon qui le voit. Mais dans le roman de Gary, la peur est un élément... c'est vraiment où l'on voit la tragédie pour moi. Parce que c'est un élément qui se répète. J'ai peur, je ne sais pas pourquoi. On a peur même quand on ne comprend pas. La peur du rien, en fait, de l'abandon. Je reviens donc au titre, au premier titre du roman, Rien. Donc, l'absence. Bon, d'accord. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions sur le chat, peut-être ? D'accord. Alors, est-ce que je pense avoir repris l'explication des symboles, enfin, la fin de mon exposé. Je pense que c'est l'heure. Ah oui, oh, excusez-moi. Bon, alors, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire. On peut faire un Zoom ou un Teams si vous êtes intéressé à un sujet spécifique que je n'ai peut-être pas eu le temps de développer. Et de toute façon, je vous passerai le PowerPoint avec la bibliographie. Vous voyez qu'il y a les liens, donc c'est assez pratique, je pense. Bon, ben, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Et je remercie aussi lycée de Girona de m'avoir invitée. Je suis à Tarragone, je suppose que vous le savez. Oui, oui. C'est Tarragona qui vous a proposé, mais ça a été un plaisir. Hein. Bon, merci. Merci beaucoup, Elena. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne chance.